Ça dit quand tu es béni là, tes enfants sont bénis aussi. Amen. Tu es sur la malédiction, ses enfants sont sur la malédiction. Allons-y. Les portées de tes troupeaux, de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Très bien. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Très bien. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis. Très bien. Alléluia. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin. Et c'est par sept chemins. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas l'Éternel, je mourrais la nuit du vendredi, du jeudi au vendredi. J'étais un homme mort. Parce qu'ils ont préparé leur plan. C'était pour m'éliminer. Mais moi, je suis Amen. Amen. Quand vous lisez le passage, vous comprenez quelque chose de très important parce que ma Bible est longue. Voilà, donc, regardez, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à ton Dieu en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, vous comprenez, l'Éternel te donnera la sécurité de toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Vous savez, notre bénédiction dépend des demeures. Est-ce qu'on va bien saisir? Pendant que Dieu parlait au peuple d'Israël, Dieu avait déjà délivré Israël de la main des Égyptiens. Dieu m'a déjà donné la victoire à Israël. Si Amalécite était sorti devant Israël, il y a eu tellement de choses. Or, il y a eu une pause dans le désert. Ici, Israël devait entrer à Canaan, posséder Canaan, qui est la destinée du peuple d'Israël. Amen. Or, Dieu s'adresse maintenant à Israël pour dire, si vous voulez vraiment bénir, si vous voulez entrer dans l'accomplissement de toutes ces grâces, la première des choses, c'est l'obéissance à ma parole. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il y a quelqu'un qui ne bénit pas n'importe qui. Je ne prends pas de problème. Quand elle est malade, elle a l'embrassé, ils font déjà. Et puis Dieu va venir quand tu es béni. Il est malade ou bien? Tu voles, il n'a qu'à te bénir. Non, la bénédiction est conditionnelle. Il dit si tu t'obéis, si vous voulez bénir, lorsque vous êtes délivré, cherchez à arranger vos vies. Ça, c'est important. Parce qu'il y en a trop ça ici en Europe. Vous laissez vos femmes, vous avez deux bureaux, trois bureaux, quatre bureaux. D'autres sont vives en gigolo. Amen. Vous maltraitez trop les femmes ici. Si les femmes aussi maltraitent aussi les hommes. Les gens, tu le battrais.